la vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire des petits papiers qui disent des choses bonnes. Donc, quand tu es malade ou que tu ne sens pas bien, tu peux regarder ces papiers et tu peux dire « Waouh, je veux ça juste faire plus énergisé. » Et ça, c'est mon chien Pixie que tu vas voir beaucoup dans mes vidéos. Bon, on va commencer. Pour ce projet, tu vas avoir besoin de petits papiers. J'ai juste eu un papier normal et j'ai coupé en deux. Après, tu vas avoir besoin de des feutres. Et si tu veux, des surlignes. Alors, allons-y. Moi, j'ai allé sur l'internet et j'ai trouvé des choses qui sont pour la motivation. Pour que quand tu veux, tu peux les regarder et tu te sens mieux. Ok, donc, moi, je vais commencer. Et mes choses que je vais écrire sur mon papier sont en anglais parce que je suis dans l'Amérique. Et donc, je vais les écrire en français, en anglais. Allons-y. En premier, je vais choisir une couleur. Et tu peux choisir aucune couleur que tu veux. Et vraiment dans ce projet, c'est bien que vous soyez créatifs avec vos décisions pour qu'est-ce que vous mettiez sur le papier. Ok. Allons-y. Je pense que je vais choisir... J'ai juste acheté ce nouveau feutre. Donc je suis très excitée. Et je aussi mange du popcorn. Je vais commencer avec bleu. Donc je vais... Attends. Là j'ai mon ordinateur où je les écris. Et on... Voilà. Donc je vais commencer par écrire Keep Dreaming. C'est très bien pour la motivation. Donc je vais écrire ça dans des lettres gros. Attends. Ça se souvient bien. Donc je vais mettre mon papier sur ça juste pour que le feutre ne va pas en dessous le papier. Ok. Donc je vais écrire ça. Voici. Donc moi j'ai écrit Keep Dreaming sur ça. Et donc maintenant que j'écris dans le feutre, je vais surligner avec le surligneur dans la même couleur. Donc parce que j'ai écrit en bleu, je vais surligner en bleu. Et ça vraiment ajoute un peu de oomph à ta création. Voici. Donc, je surligne. Et maintenant, tu vois, ça regarde très bien. Maintenant, je vais dans une couleur plus pastel, on peut dire. Je vais dessiner des... Comment ça dit? Comme la réflexion de quelque chose. ok. Donc, je veux faire ça. Et quand tu fais ça, tu peux faire comme
la... Tu peux faire un peu comme un losange. Et vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tu peux vraiment dessiner tout ce que tu veux. Et ça va être bien. Donc regarde, j'ai juste mis quelques petits losanges. Et je vais surligner ça avec un petit rose. Juste pour rajouter un peu de dimension. Et je vais aussi ajouter un peu juste une couleur personnelle, tu sais. Tu peux ajouter tout ce que tu veux. Et je te promets que ça va être excellent. Et très joli. Donc voilà. J'ai fait mon... Non, peut-être si je bouge ma lumière. J'ai fait mon kit de dessin. Ok. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je vais prendre une autre pièce de papier. Et je vais faire Always start your day with a cup of positivity. Donc ça c'est un peu un jeu de mots parce que positivity c'est comme bonheur et positivity avec écrit T-E-A ça veut dire comme le thé. Donc positivity c'est comme un jeu de mots. Donc alors on va dessiner. Attends, je dois éditer quelque chose là. Ça, je vais écrire en rouge. Ou en comment? Non, je vais écrire en rose. Et on fait la même chose. Je dois rajouter quelque chose. Voici. Maintenant, j'ai terminé. Et je pense que celui-là est excellent. Et bien maintenant, je vais continuer. Et je vais faire ma dernière. C'est incroyable que j'ai déjà fini. Allons. Alors, je vais prendre pas ce papier, mais celui-là. Et sur celui-là, je vais écrire Believe in yourself and you will be unstoppable. Et là, après que j'ai écrit ça, je vais même mettre deux. Grands yeux. Je vais faire peut-être comme un papillon. Mais je sais pas si je vais faire sur celui-là. Peut-être sur des autres coins, je vais refaire. J'ai terminé celui-là aussi. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce projet. Et voici tous mes trois différents messages positifs. Regarde. Keep dreaming. Always start your day with a cup of positivity. Et believe in yourself and you will be unstoppable. Ces trois messages-là sont très incroyables. Vous pouvez les copier si vous voulez ou vous pouvez trouver votre... Les vôtres même ou
vous pouvez même l'écrire. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas pour subscribe et cliquer sur le petit, sur le petit pouce bleu. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir.